Salut, salut! On se retrouve pour une pizza corse, la Corsica. À tout de suite! La Corsica, on utilisera un bâton de 280 grammes, maturé 24 à 72 heures. Ce sera une base tomate sur laquelle on mettra de la mozzarella fior di latte coupée en julienne. Nous aurons des tomates confites, du chèvre sur lequel nous mettrons de la confiture de figues. On finalise avec des olives et à la sortie du four, nous mettrons cette magnifique, véritable Coppa Corse. Pour l'étalage, nous avons un bâton à 280 grammes, maturé entre 24 et 72 heures. On l'a sorti du réfrigérateur une demi-heure avant de le mettre en œuvre. On respecte la pâte en abaissant délicatement le bâton. On refarine. On respecte la bordure. Les mains toujours incurvées comme ceci. Et voici, c'est une base tomate. Toujours ne pas trop mouiller la pâte. Nous mettons un peu de mozzarella fior di latte, notre chèvre, comme ceci, nos petites tomates confites. Nos olives noires dénoyautées. Et pour finir, sur le chèvre, un peu de confiture de figues. Voilà, ça nous fait une base très très originale. Nous allons enfourner. Comme d'habitude, on peut redimensionner la pizza sur la pelle. Cuisson à 300 degrés. Cela prendra 5 minutes. Fin de cuisson au bout de 5 minutes. Notre pizza est bien dorée. Dessus, dessous. Pour finaliser cette pizza, nous mettrons 8 tranches de véritable Coppa Corse à la sortie du four. Bien disposé pour que la présentation soit appétissante. Et voici le résultat. Une pizza gastronomique qui régalera le plus grand nombre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à télécharger mon guide gratuit dans la description. À bientôt. Au revoir.